Boade o mate wedu de kpia. Sérieux, boade o mate wedu de kpia. Je parle bien évidemment de l'échangeur, sous l'échangeur d'Agwe. Sous l'échangeur d'Agwe. Boade o mate wedu de kpia. Mesdames et messieurs, je viens tirer un peu sur la sonnette d'alarme concernant l'échangeur, sous l'échangeur d'Agwe en période de pluie. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Joe, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lelo Talk. Bonjour. On le todia, mais est-ce que vraiment on le todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Ouais, je viens parler de l'échangeur d'Agwe en période de pluie, mais bien avant d'arriver là, laissez-moi vous parler de l'information qui vient de tomber selon laquelle, voilà, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe nationale des éperviers, hein, Paulo Duarte, a démissionné. Ouais, il a démissionné. L'entraîneur, le sélectionneur a démissionné de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale togolaise. Information divulguée par la Fédération togolaise de football via son site web officiel, ses comptes sociaux et relayé par plusieurs médias, plusieurs pages, plusieurs sites web aussi. En tout cas, Paulo Duarte, signé en 2021, a dirigé 23 matchs des éperviers avec 6 défaites, 7 victoires et 10 nuls. 6 défaites, 7 victoires et 10 nuls. Répartis comme suit, 5 défaites, 7 nuls, 4 victoires en match officiel. 5 défaites, 7 nuls, 4 victoires en match officiel et 3 victoires, 3 nuls avec une défaite lors des matchs amicaux. Voilà. Donc, en 23 matchs de Duarte, le Togo n'a marqué que 27 buts et a encaissé 24 buts. En tout cas, on peut pas en demander mieux. Ouais, parce que, voilà, le résultat, c'est la raison, l'objectif premier d'un sélectionneur, d'un entraîneur, d'une équipe. Voilà. S'il n'y a pas le résultat, c'est normal que le sélectionneur démissionne, hein. C'est normal qu'il démissionne. Quand bien même que les gens disent que, voilà, avec son arrivée, il y a eu, du changement dans le jeu des éperviers, techniquement parlant. Malgré ça, voilà, vu qu'il n'y a pas de résultat, voilà, le gars a démissionné. Donc, dites-moi dans les commentaires, il y a des réactions d'ici et là concernant cette démission, mais, hey, je voulais regarder quelques réactions quand même. Regardez. Famille, il y a quelqu'un qui nous fait, ni la vague dit à ma jamico, non, mais les types ont dit les matins de Tomé. Il m'a dit l'envoi pour beaucoup Soudan du Sud. Et une tochania, d'ailleurs, Soudan du Sud, de matin, il y a mon autre, et vous m'avez dit le Congo. Et la fédération, les noms, les noms, le vin, entraîneur, on va déposer, et nous, on va résilier le contrat. On m'a tout fait de nekakari parce que on n'y est pas. Et toi, tu es ici, et toi, tu es là. Donc, Amila, toi, Benetian, M. Paulo Duarte, n'attends vite que tu veux que tu aies un couteau, vite tu aies un petit parce que tu es un ami. Et il y a une fédération, toi, tu es encore long. Mais les Québécois contrats, non, ils sont parce que là, tu es un Fabio, on est là. Tu es un peu dans la date, il est Fifi Yale, Fédération, mais la Tikocha Todoué, que la te va vivre. Et Togo la nous dit les prochaines échéances, mais ni soit mi bidji, mi ben coach, mi bala, mi ma bai terre, non so coach pouvait vivre, mais la bai terre, mi a bai tonsin, pour le bouton, mi a tomi quoi le gémin en terrain, ni soit, c'est pour un Togo meilleur, c'est pour une victoire des épériers, mi a tchamina no calfi na can quito, mi toa kwene milo, mi a oué long, et bé démission, et mi résilie contrat, mi a d'akwene mokekin. Vive le Togo, vive le football togolais et faites des efforts. Mille bodo mes amis. Bien tcha mila no yo amo ni terrain. Joueur que qui bien nous soutenir oui. Merci. Les gens demandaient à ce que le Namba fort vienne prendre le relais. Yebaba. Mais d'après vous, si on devait choisir quelqu'un parmi les anciens joueurs à conduire, à diriger cette équipe nationale, qui ça peut être
oublions les expatriés. Supposons qu'on veut prendre quelque chose ici au Togo, quelqu'un ici au Togo. Voilà. Du camp des anciens joueurs ou bien, voilà. Qui est-ce qui vous vient à l'idée, bon, qu'on n'a qu'à lui donner la chance de diriger l'équipe nationale? À vous, dites-moi ça dans les commentaires. Lélo, c'est la vie. Ah oui, mesdames et messieurs, comme je le disais dans l'introduction, voilà, en temps de pluie, vous savez très bien que ces derniers temps, voilà, il y a tellement d'inondations, là, en temps de pluie, c'est pas seulement une histoire du Togo, mais même au Ghana, même en Côte d'Ivoire ici, en Côte d'Ivoire, je vous laisse regarder quelques images de l'inondation en Côte d'Ivoire, regardez un peu. C'est une ruelle, vous voyez comment là, tout est rempli. Il y a la clôture, mais c'est fermé. Putain de merde. Putain de remède. De remède, mec. Va où? Ça, c'est Goudon qui est là. On va plus Goudon. Va où l'eau est arrêtée? Commissariat, toi, c'est gâté. Comme si tu. Eh oui, Abidjan. Ça c'est 9 kilos d'abord. Je suis surtout de monter sur les toits pour pouvoir passer. Hey, pas. Ça, tu tombes dedans, tu fais comment? Je suis arrivé à la maison. Chez moi à la maison, voici ma cuisine. C'est rempli d'eau. À Benjéville. Ma cuisine est remplie d'eau. Voici mon matelas. L'eau est rentrée jusqu'à ce que ça déplace le matelas. Toutes mes affaires sont mouillées. Toutes mes affaires. Toutes mes affaires, mes chaussures. Tout. Mon ordinateur. Mes documents. Tout. Regardez les voitures qui sont là-bas. Les voitures sont inondées complètement. Je suis resté en haut, je ne peux pas descendre. Pardonnez si vous ne me voyez pas. Dites que tout mon héritage, c'est pour ma fille. Mais quoi alors? Vous avez vu, non? Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Le Togo, n'en parlons même plus. Le Togo, n'en parlons plus. Ça a fait quelques semaines maintenant. Milagan. Les gens sont obligés d'abandonner leur maison. Les gens sont obligés d'abandonner leur maison. Les gens ont loué des chambres dans des maisons où ils sont obligés d'abandonner ces chambres-là parce que, invivable, on peut pas, impossible, impossible. Mais ce qui me ramène ici, dans cet épisode avec, ce même sujet, c'est le cas du pont de l'échangeur d'Agouin. Du cas de l'échangeur d'Agouin. La pluie du 20, mesdames et messieurs, la pluie du 20 juin 2024, mesdames et messieurs, si vous voyez les vidéos, dessous l'échangeur d'Agouin, mesdames et messieurs, je vous laisse regarder quelques images. Mais
Le tenu doit nous le toucher. Bon toucher. Il y a un toucher mille. Allez, il y a quelqu'un qui a le tenu doit le couvrir le corps. Voilà. Bon toucher. Il y a un toucher balayé sur robot les siens. Elle est pas bien. Le tenu doit le couvrir n'a pas été si à matin on monte le balou. Il y a ici à la maison le tenu doit. Le tenu doit le. Et nous sommes là. Bon lieu ton corps est bon là. Tu ne peux pas passer. Impossible. Le courant est tellement fort que ça a failli emporter des gens sur la moto. C'est fort, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer. Et mesdames et messieurs, tenez-vous bien que ce n'est pas la première fois. Hein. Ce n'est pas la première fois. Hein. Ça a toujours été comme ça. Hein. Genre, sous l'échangeur d'Agoué, quand il pleut, il y a toujours ça. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus grave. Cette fois-ci, juste que c'est un peu plus grave. La question que je me pose, c'est, genre, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution. Hein? Ça, c'est, genre, route internationale et Wanlo. Allô? Route internationale et Wanlo. Mesdames et messieurs, il n'y a pas une solution pour ça. Sous l'échangeur d'Agoué, mesdames et messieurs, vous venez de regarder les vidéos. Regardez l'eau là. Regardez tout ça là. Et ça a bloqué la circulation. Et ça a bloqué la circulation à ce niveau-là. Donc, il ne peut plus pleuvoir ici à Lomé. La pluie, c'est interdit à Lomé, quoi, apparemment. En plus du fait que, voilà, il y a des inondations dans les quartiers, les gens ont abandonné leurs chambres, leurs maisons et tout ça là, c'est invivable et tout ça là. Nos voies aussi sont, voilà. Donc, on ne peut plus emprunter nos, voilà, on peut plus, on peut plus. Et
sous l'échangeur. Regardez un peu, mesdames et messieurs, regardez. Donc, depuis qu'il y a ce problème-là, oui, ceux qui sont dans la zone vont vous le confirmer que ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'il va pleuvoir, ça a toujours été comme ça. Bon, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas de solution. Ben, on va devenir quoi? On fait quoi maintenant? Donc, quand il pleut là, le Togolais ou bien le Lomé doit rester dans sa chambre. À Lomé, on ne doit plus sortir quand il pleut. Parce que comment est-ce qu'on peut expliquer ça? La maison même, dans certains quartiers, c'est... Voilà, en période de pluie comme ça, c'est on peut, les gens fuient. Les gens ont abandonné. Fifia, et moi que dis, mien, on zon, tiens! Cette année-là, ça va être vraiment difficile, hein, surtout... Les zones inondables, là, les zones où l'eau stagne souvent à chaque fois qu'il pleut, là, ça va être difficile parce que vous allez remarquer que, voilà, là où il y a les eaux, là où il y a les inondations, quand il pleut, et puis quelques jours après, on a l'impression comme si, voilà, ça va se sécher un peu, ça va partir, l'eau va partir un peu, bim, une petite pluie, et puis tu reviens, quoi. Une petite pluie, et puis tu reviens. Ça augmente encore. Ça, donc, décidément, ceux qui habitent des maisons où il y a inondation très souvent, quand il pleut là, donc, le fait de retourner chez eux dans leur maison maintenant, c'est une histoire de décembre, quoi. C'est une histoire de, je sais pas, octobre, novembre, décembre. Oui, parce que, à l'heure là, regardez un peu. Juin, bon, juillet, caca, si on la va pou. Hein, caca, si on la va pou, caca, les gens vont rentrer chez eux. Là. Août, septembre, Benyado, soyez ouan l'eau. Mais on enlève, et le plus de ça, c'est nos voies, nos routes. L'échangeur sous l'échangeur d'Angouel. La façon dont ça est là, est-ce que les autorités sont au courant? Mais quand même, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Parce que ce n'est pas la première fois. Et depuis là, personne ne dit rien. Rien n'est fait. Il n'y a pas de proposition de solution. Il n'y a rien. Nous sommes laissés à nous-mêmes comme ça, quoi. Les gars, dites-moi un peu. La pluie du 20 juin 2024, c'est quoi la situation dans ta zone? C'est quoi la situation dans ta zone? Ceux qui sont surtout dans les zones d'Agoué, près de l'échangeur là, et comment est-ce que vous faites les Kémilé Wedo? Avec la voie qui bloque. Parce qu'une fois qu'il, voilà, la pluie s'arrête, une fois que la pluie s'arrête, c'est au moins une, deux heures ou bien trois heures de temps pour laisser passer l'eau là, avant de commencer par utiliser la voie là encore. Leke Milewedo en cette période, Leke Milewedo. Dites-moi tout ça là dans les commentaires parce que il est fou. Les autorités doivent faire quelque chose. Oui, ils doivent faire quelque chose. Au moins, à ce niveau-là, genre, on doit trouver une solution. Ils doivent nous trouver une solution parce que non. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Dites-moi, les gens de cette zone-là, ne dit les Djadé, les Kémionedo. C'est quoi la situation à votre niveau? Dites-moi tout ça là dans les commentaires, mesdames et messieurs. Je m'appelle Jules et Youngzok. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Hello Talk. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.